Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de CG. Je vous souhaite un joyeux Noël, tous ceux et toutes celles qui le fêtent, tout simplement. J'ai pas mal de choses à vous dire dans cet épisode pour cet épisode de Noël. Mais avant, on en était où dans l'histoire? Après avoir réglé le problème du chétif pacifiquement, ouais, on s'est retrouvé à l'extérieur du métro avec Valentine. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. Votre secrétaire, Ellie, c'est elle qui m'envoie. Ah oui? Elle mériterait une augmentation. Bref, vous me disiez que vous cherchiez un meurtrier qui a enlevé votre fils. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. On se retrouve là-bas. À plus tard. En route pour Diamond City, je suis tombé sur un drôle de signal radio. Moi, ouais, du coup, j'ai décidé de le suivre. Figurez-vous que je suis tombé sur une foutue soucoupe volante. On aura vraiment tout vu. J'ai suivi des traces de sang couleur jus d'épinard. Ouais, ça m'a amené à une grotte qui abritait une drôle de tête d'ampoule. Dommage qu'il ait tiré le premier. Ok, j'espère que cette petite pastille vous a plu comme d'habitude. J'ai déliré un petit peu avec l'extraterrestre. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le place quelque part. Donc voilà, je l'ai placé. Du coup, avant d'aller visiter les choses qui ont été faites dans Sanctuary, je voudrais vous parler d'un deuxième projet de série dont je travaille en ce moment pour la chaîne, qui me prend un temps monstre. J'aurais aimé. Le but était de vous envoyer un trailer pour Noël, pour cet épisode de Noël. Spoil, j'ai pas eu le temps. Donc ça me prend un temps fou, j'avance bien, mais pas assez vite à mon goût. Bref, comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer ça? Déjà, j'adore vous proposer du contenu sur Fallout. J'aime beaucoup vous raconter des histoires avec cet outil qui est Fallout. Et ça a l'air de vous plaire, vous êtes d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés ces dernières semaines. C'est un plaisir pour moi, c'est une surprise. Hein. Bon, c'est pour certains, ça peut paraître très peu, mais pour moi, c'est inespéré, les amis. Du coup, mais je travaille, du coup. J'aime beaucoup Fallout, mais Fallout, bon, bah, c'est un monde assez sombre, morose, ambiance fin du monde, j'ai envie de vous dire. Là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. Du coup, travailler toutes les semaines sur Fallout, il me faut autre chose un petit peu. Il faut quelque chose de plus coloré, de plus mignon, de plus sympa, de plus sympa. Fallout est très sympa, mais de plus joyeux, quoi. Voilà où je veux en venir. J'ai du mal à. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais voilà. Donc j'ai trouvé. Effectivement, j'ai trouvé.
ça arrivera très bientôt. Vous aurez un trailer, du coup, très bientôt. D'ici dans la semaine, je pense, si j'ai le temps. Parce qu'en plus, avec les fêtes de Noël, tout ça, c'est... Le temps file. Donc du coup, je vais essayer de vous envoyer un trailer. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse la surprise. Avec les petits indices que je vous ai donnés, je pense que vous trouverez assez facilement. Mais l'objectif, c'est de trouver un petit peu l'inverse de Fallout. Un monde plus joyeux, plus coloré, pour continuer à vous raconter des histoires avec un autre univers. Ça, c'est le but. J'aime beaucoup... J'ai trouvé un truc que j'aime faire, vraiment, vraiment faire. Donc, on va rester là-dessus et ça arrive très bientôt. Vous aurez un trailer très bientôt. Alors, j'ai fait une petite décoration de Noël, hein. Pas grand-chose. Petit bonnet, petit costume. Bon, c'est les fêtes, hein. On essaie de faire les choses bien. Hop! Bon, petite déco de Noël, voilà. Du coup, on va commencer la visite. Hop, l'église a bien évolué. Ici, ça a évolué, mais ça, c'est pas ça qui est important dans cette visite. Encore une fois, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et on va se retrouver là, par contre. Après, je vous ai mis de nuit pour ce joli décor. Mais on va se retrouver de jour pour la visite des nouvelles constructions. Ok les amis, on se retrouve de jour. On se retrouve de jour pour... je suis perdu là. Donc là, oh, on n'a plus rien. Ça y est, on n'a plus de nourriture. C'est la galère. Eh ben non, ça a changé. J'ai fait une ferme. J'ai fait une ferme, les amis. Avec du bétail. Incroyable. On va aller voir le bétail. Hop. Petit portail. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, c'est rien. Tout va bien. Hop. On arrive ici. J'ai mis les poules ici. Avec du bétail. Des bramilufs. Des bramilufs, n'est-ce pas? Bramilufs Longhorn. Oula. Ouais, petite chose à régler. Bon, c'est pas grave. Et je voulais du bétail. Je voulais une petite ferme. Donc j'ai créé ça. Avec de quoi les nourrir ici. Du petit blé. Est-ce qu'il bosse Ouais, il est là. Plus. J'espère que ces pillards paieront cher pour ce qu'ils ont fait. Ouais, t'aurais dû faire plus, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, la ferme. Donc lui emménagera à terme avec sa compagne ici, qu'il faut que je répare et que j'aménage. Ce que je n'ai pas encore fait, ce sera l'épisode prochain, ce sera de l'aménagement de beaucoup de choses. Dont mes appartements que j'ai fait dans les premiers épisodes, que j'ai toujours pas avancé. Qu'il va falloir que je fasse absolument. Donc là, voilà. Petit portail, petit... Ouais, je trouve ça cool quand même. Rajouter des animaux. Je pourrais peut-être en mettre un peu plus. Dites-moi, je pense que je pourrais peut-être en mettre un peu plus. J'ai d'autres animaux aussi. Je peux tout à fait mettre d'autres animaux. Il y a encore des... J'ai encore des choses dans ma besace. Voilà. Hop. Je refais. Non, hop, on arrête. Ça suffit. Là. Donc voilà. Déjà, il y a ça. Oh, le petit chat, il s'est déplacé, il est venu ici. Il vit avec Lady et Tom Fool maintenant, le petit chat, là. Le petit chat, du coup, on a Obu, qui va avec la ferme, évidemment. Petit hangar. Bon, pas aménagé encore, évidemment, faut que je le fasse. Avec les petits, je trouve plus les mots. Ce qui donne de l'électricité, voilà, pas grand chose, donc vraiment, comme je vous dis, je travaille énormément sur la deuxième série, qui arrive bientôt, et donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose dans Fallout. Je trouvais ça assez sympa de mettre des animaux, et regardez, ils sont pas magnifiques, ils sont magnifiques.
Mais non. Et lui, c'est le boss. Hein. Lui, c'est le patron ici. Ok, donc voilà. Donc, évidemment, encore une fois, j'ai pas grand chose. Y a pas une porte là? Autant pour moi, y a pas de porte. Ah, si, y a une porte. Voilà. Donc, je réfléchis s'il y a autre chose. Il y a eu quelques. Donc, du coup, les parcelles se sont un petit peu améliorées. Là aussi. Toi, faut que je te trouve une maison, toi. Toi, tu dors toujours sur une paillasse. Hein. Je suis désolé. Bon. Je crois qu'on est au maximum, là. Et vraiment, pas mal du tout non plus. Hop. Ici aussi, il faut que je continue à aménager. Prochain épisode, ce sera énormément d'aménagement. Aménager, donc, tout ce qui est la ferme ici. Là-bas. Aménager ici. Et là-haut. Là-haut, ce que je l'ai toujours... On va aller voir, d'ailleurs. Que j'ai toujours pas avancé. Hop. J'ai toujours pas avancé. Bon, bah, du coup, y a plus grand monde qui vient ici. Hein. Va falloir que je trouve un moyen de... De mettre des activités pour que les gens viennent aussi par ici. Hein, que ça bouge. Donc ouais, voilà, ici j'ai toujours rien fait. En tout cas, ça. Dans Sanctuary, ça commence quand même à bien prendre forme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là-haut, au fait, on n'est pas retourné. Là-haut, j'ai. Hop. Du coup, j'ai enlevé le poste de surveillance là-haut. Faudrait que je trouve. Dites-moi, tiens, je sais absolument pas quoi faire de cette tour, du coup. Mais je l'aime bien, j'ai envie de la laisser. Donc, dites-moi si vous avez une idée, quelque chose. J'ai rien qui me vient pour l'instant. Donc, bah écoutez, j'attends vos propositions. Encore une fois, je vous remercie pour tous les nouveaux qui arrivent. Et n'hésitez pas. Comme j'explique dans les premiers épisodes, à me donner des idées, des histoires de survivants. J'ai pas eu le temps de faire d'histoires de survivants encore cette semaine, mais ça va revenir très bientôt aussi. De toute façon, par rapport à la deuxième série qui va arriver bientôt, ça changera pas. Il y aura toujours au moins un épisode par semaine de Fallout Evolution. Donc voilà, ici aussi, j'ai vraiment beaucoup d'endroits. De toute façon, eux, ils sont bons. Ils vont partir d'ici, eux aussi. Donc ici, je vais pouvoir faire quelque chose. Je sais pas quoi non plus. Faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Ici, je pense que je vais mettre une petite aire de jeu ou une petite aire pour venir se poser le matin. Voilà, un petit truc comme ça. Donc là, ça a bien évolué. Hein. Ça a bien évolué. Hop. Bon. Je suis bloqué. Ah, j'ai un problème. Il faudrait que je vois ça, je verrai ça plus tard. Hop. Là. Je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ça va changer encore. Là, en revanche, ça me plaît. Salut Stodge. Comment il va le frérot? J'allais lui dire j'ai piqué ton nez, mais ce serait... Ce serait pas fair play. Hein. Ce serait pas fair play. Ah ouais, il est équipé là. J'aime bien. À voir. À voir. Ici, faut que j'y réfléchisse. Oh bah, oh oui. La maison. Oh oui. La maison de Stodge, elle est incroyable. Ah ouais. Eh, les cadeaux. Le Père Noël est passé, on dirait. Incroyable. Donc du coup, toujours rien ici. Non, bah voilà, pour le coup, je crois qu'on arrive au bout. J'ai pas grand chose. La ferme qui sera évidemment rééquipée entièrement. La maison à côté et la grange. Je trouvais pas le mot grange hein, depuis tout à l'heure. Je l'ai retrouvé. Ça fait plaisir. La grange est aménagée. Voilà. Dites-moi si vous voulez que je rajoute plus de bêtes. Et bah voilà. Donc sur ce les amis, encore une fois, je vous souhaite un très très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et sur ce, si ça vous a plu, je vous invite évidemment à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi dans les commentaires vos idées sur la prochaine série, si vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Ça me fait
Je suis curieux d'avoir vos idées. Et bah voilà les amis, sur ce, je vous dis à très très bientôt.